Vous allez bien? Joyeux Noël! C'est notre soirée où on a l'occasion de pouvoir célébrer Noël, de pouvoir chanter des cantiques que vous avez peut-être déjà entendus, peut-être jamais entendus, peut-être transformés. Bref, je veux vous souhaiter la bienvenue à cette soirée qui, sans prétention et sans exagération, je suis convaincu à être la meilleure soirée, le meilleur party de Noël que vous allez pouvoir avoir sur Noël! Si vous nous visitez, on est content de vous accueillir. On est l'Église 180. On est heureux de pouvoir vous apporter cette programmation où on va avoir justement des chants, on va avoir des tunes, comme je disais. Il va avoir aussi un conteur qui va venir nous apporter des histoires sous la thématique justement de, vous avez peut-être remarqué qu'il y a des chemises à carreaux, une histoire de bûcheron. Et à travers la soirée, il va avoir les contes, les tunes, mais à la fin, il n'y aura pas d'entracte, mais à la fin complètement, on a un goûter qu'on vous a gardé, qu'on vous a réservé justement dans la thématique encore bûcheron. Et vous allez pouvoir profiter de la soirée par après. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Je ne me suis pas encore présenté. Je suis David Chouinard, je suis pasteur de l'Église. Et sans plus tarder, place au conte. Je sais pas pour toi, 180, mais moi, quand je pense à Noël, la première chose qui me vient en tête, c'est mon enfance. Puis Noël, dans mon enfance, ça se passait toujours chez mon grand-père. On glissait dans la côte en arrière de chez eux tout l'après-midi sur nos crazy carpettes, puis on rentrait le soir à Brunante, complètement gelée, les orteils blanches comme la neige. On rentrait par l'entrée du sous-sol. Puis on se dégrayait de toute notre attirail, là, les tucs, les mitaines, les bottes. Puis on étendait ça tout bas, sur le bord du poêle à bois pour que ça sèche. Hey, le poêle à bois. N'importe qui est rentré une fois chez mon grand-père se rappelle de son poêle à bois. Lui, le poêle à bois, il chauffait pas. Il battait. Il y avait des ecchymoses rouges sur le bord du poêle à bois. On a une expression au Québec qu'on dit quand il fait frette. On dit qu'il fait frette à péter les clous d'un mur. Bien, chez mon grand-père, quand il faisait frette, les clous, ils fondaient. OK?
Ah oui, oui. Moi, j'invente rien cet soir en passant. C'est tout vrai ce que je vais vous conter. Mais je savais que mon grand-père, il avait été bûcheron dans son jeune temps. Il avait été bûcheron quand il était jeune. Puis je crois bien que l'habitude du bûcheronnage, elle y était restée parce que lui, il continuait de bûcher des 30 puis des 40 cordes de bois par année. Puis il brûlait ça d'un hiver. Fait que chez mon grand-père, là, il faisait chaud. Mais il faisait chaud. OK. Là, 180, il s'est asseoir, on va faire de quoi, OK? Moi, je suis venu vous compter des comptes. OK, je suis venu, je me suis forcé. J'ai préparé des comptes. Je viens en avant de vous autres, mais je ne vais pas faire ça tout seul. Vous allez compter des comptes avec moi. Fait que pendant la soirée, chaque fois que je vais dire que chez mon grand-père, il faisait chaud, c'est vous autres qui allez dire chaud. Ça marche-tu? OK. Fait que si je dis il faisait, vous autres, vous dites chaud. On essaye. Ouais, ouais. Il y en a qui ont catché ça vite. On l'essaye, ouais, si vous avez compris. Chez mon grand-père, il faisait chaud. Hey, me suis forcé, OK? Vous allez vous forcer, vous autres aussi. Chez mon grand-père, il faisait chaud. Mieux que ça. Chez mon grand-père, il faisait chaud. Et puis pas à peu près. Hey, sa maison était sur le camp de même. Parce qu'un hiver, il avait chauffé le poêle tellement fort que le solage avait fondu. Parce que chez mon grand-père, il faisait chaud. Et qu'il faisait chaud. Nous autres, on faisait juste remonter les escaliers pour monter au rez-de-chaussée. On arrivait en haut, on était tout en sueur. Les cheveux nous collaient d'en face de même. Nos orteils étaient rendus rouges comme la braise. La première à nous voir retontir en haut, c'était ma grand-mère. Parce que ma grand-mère, elle, sa chaise berçante, elle faisait face à l'escalier. Elle était cute, ma grand-mère, avec ses petits cheveux frisés, du haut de ses 80 ans. Puis quand je dis « haut », OK, c'est une façon de parler, parce que ma grand-mère était petite, là, mais vraiment petite. OK, c'est pas des farces, j'avais 8 ans, quand je la croisais dans le corridor, je trouvais ça moins long de passer par-dessus que faire le tour. Elle était vraiment petite. Fait que... Quand elle nous voyait arriver, elle sautait en bas de sa chaise berçante, puis elle trottait jusqu'à nous autres ses petites pattes d'oiseau, puis elle ouvrait ses grands bras là, avec la peau molle qui pendait ici. Puis elle nous disait, « Allô! » Ouais. C'est parce que ma grand-mère, ce qu'il faut que je vous dise, c'est qu'elle fumait. Mais... elle fumait comme la cheminée du poêle à bois de mon grand-père, OK? Fait que de la boucane de même, m'a dit une affaire 180, ça désaccorde les cordes vocales, pas rien qu'un peu. Fait que ma grand-mère, elle avait une voix de rockeuse, une voix rocailleuse. Mais c'était pas grave, parce qu'elle arrivait toujours avec des petits rafraîchissements pour nous autres. Elle gardait toujours dans son frigidaire du vieux 7-Up plus de bulles. Vieux du Noël d'avant, qu'elle nous donnait toute contente, puis nous autres, on le prenait, on n'avait pas le choix. Sinon, on risquait de mourir de déshydratation, parce que chez mon grand-père, il faisait... chaud! On s'assoyait à la table de cuisine avec nos 7-Up pas de bulles, puis on attendait le souper. Chez mon grand-père, le souper, c'était toujours la même affaire. C'était la tradition, c'était du poulet dans des boîtes en carton. On se faisait livrer ça du restaurant. D'ailleurs, j'ai remarqué ça. Chez mon grand-père, tout se passait dans des boîtes en carton. Le souper était dans des boîtes en carton. Les cadeaux étaient dans des boîtes en carton. Puis même le vin était dans des boîtes en carton. Pas besoin de te dire que moi, le vin, quand j'avais 8 ans, j'aimais pas bien ben ça. Mais ce que j'aimais, par exemple, ce que j'aimais vraiment gros, c'était quand mon grand-père nous contait une de ses histoires. Hey, mon grand-père, il faut l'avoir vu, mon grand-père. Il était toujours assis dans sa chaise berçante à lui, qui faisait face à la chaise berçante de ma grand-mère. Les deux se berçaient de même à l'unisson, comme deux wipers d'un vieux char. Mon grand-père, il avait toujours une petite veste de laine, parce qu'il avait fret. Puis il avait des pantalons bruns en fartrelle, qui portaient jusqu'en dessous des aisselles.
des vieilles pantoufles avec une semelle en caoutchouc noir, puis un dessus en tissu carotté noir et rouge, des vieilles pantoufles, parce qu'il avait fret aux pieds. Mon grand-père, c'était un colosse, OK? J'ai hérité de sa génétique, un petit peu. Mais pour vrai, c'était un géant, un colosse. Il était vraiment, vraiment fort. Mon grand-père, il avait des mains. Je te dis, là, il avait des mains de même. Puis là, je te parle de leur épaisseur, là. OK? Il était vraiment costaud, mon grand-père. Il était impressionnant. Mais ce qui m'impressionnait le plus chez mon grand-père, puis ce qui m'avait toujours intrigué, c'est que dans son dos, dans le haut du dos, à peu près ici, derrière l'épaule, il y avait une bosse, une méchante bosse, là, comme une boule, une orange qu'on aurait mis en dessous de sa petite veste de laine bleue. Puis ce soir-là, de Noël, du 25 décembre, j'ai 8 ans, j'ose lui demander, puis j'ai dit, « Hey, grand-papa, d'où est-ce que c'est que ça vous vient, ça, cette bosse-là que vous avez dans le dos? » Quand j'ai posé cette question-là, j'ai vu dans ses yeux comme des vieux souvenirs se mettent à briller. Puis il a fait un petit sourire de dents usées. Puis il dit ça, petit gars, cette bosse-là, c'était à cause d'un arbre. C'est un arbre qui m'est tombé dessus quand j'étais bûcheron. Mais m'a dit une affaire, 180. Ici, à soir, l'histoire que m'en va te raconter, c'est l'histoire mot pour mot que mon grand-père m'a conté ce soir-là. C'est une histoire vraie, une histoire de bûcheron. Hey, bien entendu, si vous connaissez ce chant-ci, chantez avec nous autres, ça va nous faire plaisir de vous accompagner. Et on va, et les parents.
Fait qu'on était toutes dans la cuisine à mon grand-père à attendre qu'il commence son histoire. On servait des glaçons dans nos 7-Up plus de bulles pour les faire fondre dans notre front puis en dessous des bras. Parce que chez mon grand-père, il faisait chaud! Et qu'il faisait chaud. Mon grand-père nous a dit, « M'en va vous la conter, mon histoire, de que c'est qu'a fait ce boss-là dans le dos. Mais tire-toi bien une bûche, pèse-toi bien comme faut, parce que cette histoire-là est longue à raconter. » Cette histoire-là s'est passée dans le temps, qu'il dit. Dans le temps où il y avait encore du temps. Dans ce temps-là, on n'avait pas encore inventé les horloges. Fait que leurs petites aiguilles pointues n'avaient pas encore commencé à égrener notre temps qui part en poussière de nos jours. Dans ce temps-là, l'hiver, les hommes, ça partait dans le nord. C'était la saison de la bûche. Ça partait d'un chantier pour bûcher. Puis moi, mon grand-père, ben, c'était un de ces bûcherons-là. Ben, attention, 180, là. Moi, mon grand-père, c'était pas un bûcheron comme les autres, là. Moi, mon grand-père, c'était le meilleur bûcheron du monde. Oui, monsieur. Moi, mon grand-père, une journée, il avait coupé 6437 arbres. C'est répertorié. 6437 arbres à l'heure. C'est parce que mon grand-père, il avait sa technique personnelle qu'il avait développée. Lui, là, il ne se servait pas des haches et des scies là, comme les vulgaires amateurs. Là. Lui, il hachait les épinettes directement du tranchant de la main. Il s'en allait dans le bois, tchac, 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 tchac. Les épinettes revolaient autour de lui comme les feuilles dans une tempête d'automne. Sauf qu'on n'était pas en automne. Ce jour-là, on était bien en hiver. Puis il faisait frette. Mon grand-père, il se les gelait. Il faisait frette. Cette journée-là, même la neige avait frette. Puis tu sais que la neige a frette quand t'as couine, quand tu marches dessus, hein? Bien, cette journée-là, c'est une journée de grande froidure puis de grand couinement. Puis mon grand-père, bien, il avançait comme ça dans le bois, en hachant les épinettes autour de lui. Puis ce qu'il ne savait pas, c'est que cette journée-là, c'était son jour de chance. Parce qu'il faut que vous sachiez, 180, c'est que dans le temps de la bûche comme ça, les bûcherons, il y avait comme une compétition entre eux autres. C'était à savoir, c'était lequel qui allait trouver le plus bel arbre de la forêt. Le plus beau, le plus grand, le plus majestueux. Puis mon grand-père, il s'en allait comme ça, en tranchant les épinettes partout, quand il s'est retrouvé, bang, devant un mur d'écorce. Un mur qui s'étirait jusqu'à l'horizon à droite. Un mur qui s'étirait jusqu'à l'horizon à gauche. Il se recule. Ce mur-là, c'était un arbre. Un arbre, toi, beau. Grand. Un arbre tellement grand que quand il a regardé en l'air pour y voir le sommet, il a vu le soleil se tasser pour faire le tour. Un arbre. Le saint grand arbre de la forêt. Tout qu'un arbre. Mais mon grand-père, quand il a vu cet arbre-là, il s'est dit, il faut que je monte en haut. Il faut que je voie ça. Puis en plus, rendant en l'air, je vais pouvoir me réchauffer les mains sur le bord du soleil. Fait que mon grand-père, il part. Puis il grimpe. Dans cet arbre-là. Ça y a pris pour se rendre en haut 14 ans. Il a passé dans cet arbre-là 14 ans. 14 ans à grimper sans même dormir une seule fois. Là. Quand il avait trop faim, il attrapait des écureuils. Puis il se servait des aiguilles du sapin pour se coudre des belles petites mitaines avec leur petite fourrure grise, avec la petite tête d'écureuil ici sur le dessus. Mon grand-père est arrivé tout en haut dans la nuit du 24 décembre. Puis ce qu'il faut savoir, que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'à l'époque de mon grand-père, quand il était bûcheron, on ne fêtait pas Noël encore. On ne fêtait pas Noël, puis il n'y avait aucune lumière la nuit. Bien, c'est sûr, il n'y avait pas d'électricité, puis il faisait noir. Il n'y avait pas d'étoiles dans le temps de mon grand-père, il n'y avait pas de lune. Il faisait... Non, non, c'est... moi, j'invente rien ici à t'asseoir. Là. C'est les histoires que mon grand-père m'a contées, c'est vrai. Puis il faisait noir. Il faisait noir la nuit, il faisait noir comme dans le fondement d'un our, OK? Un our noir à part de ça. Il faisait noir. Fait que mon grand-père, il ne voyait pas où ce qui s'en allait. Puis ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi il faisait noir de même. C'est parce que la nuit, il faisait bien plus frette qu'aujourd'hui.
Aujourd'hui, on capote quand il fait moins 25. Mais dans le temps de mon grand-père, c'était des moins 125 facile. Ben oui, parce que dans ce temps-là, mon grand-père n'avait pas encore commencé à chauffer son poêle. Fait qu'il faisait bien plus frette. Parce que chez mon grand-père, il faisait chaud. Et qu'il faisait chaud. Mais là, il faisait frette. Il faisait tellement frette que la nuit, l'hiver, il se faisait dans le ciel, il se formait comme une couche de glace. Une couche de glace sur la voûte céleste. De la glace noire qui nous cachait la lumière de la lune puis des étoiles. Puis mon grand-père, lui, qui voyait rien, il grimpe, puis à un moment donné, bang! Il se pète la tête sur la glace. Il se dit, ben voyons, qu'est-ce que c'est ça? Mon grand-père, il n'était pas question qu'il redescende en bas sans être rendu jusqu'en haut. Il n'avait pas passé 14 ans même pour rien. Fait que Pépé s'est mis à frapper sous le firmament glacé, toi. Bang! Bang! Il fallait qu'il passe. Bang! Bang! Puis soudain, il a entendu comme des craquements un peu partout. Puis il s'est mis à tomber des petits morceaux doucement, comme des flocons de ciel qui glissaient doucement du firmament. Puis ces flocons de lumière-là sont venus se déposer tranquillement dans le sapin qui a fini tout pailleté de lumière. Toute la glace est tombée. Puis mon grand-père, émerveillé, pour parachever le tableau, il s'est étiré le bras, puis il est allé décrocher une étoile, puis il l'a plantée drette sur le bout du sapin. Mais m'a dit une affaire, ce tableau était tellement grand qu'on pouvait le voir illuminé comme ça la nuit de Gatineau à Gaspé. Puis tout le monde est sorti le soir, puis on dit, il y a des étoiles, il y a la lune, puis il y a ce beau sapin-là qui nous éclaire. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, la nuit, il fait un peu moins noir. Te souviens-tu quand on allait se cacher du tout sapin pour pas s'il y avait des verres de tout que nous. Rappelles-tu quand on allait dehors se faire des châteaux avec la neige, on se sentait plus haut que tout. Puis la fois où il y avait eu la pluie verglaçante, j'ai glissé comme l'avait fait ma tante. La glace était un bidon, mon postérieur en pleure encore. Les yeux, puis rappelle-toi comme les regards semblaient plus allumés. Le temps passe, ici le présent y est déjà parti pour laisser place au firmament. Te rappelles-tu mon oncle qui dormait sur le divan à toutes les séduires, trois bouteilles de l'air dans ses têtes, un homme quand même tolérant, à part quand y a plus trois châteaux brillants. La fois où maman a dû aller chercher les pompiers quand Noël a porté ses cadeaux. Oh, oh, oh.
Olivier, vous trouvez ça comment jusqu'à date? Ah, ben là, je vais vous donner une opportunité pour vous dégourdir un peu. Qu'est-ce que ça serait qu'on se lève tout ensemble, tout le monde, et on va vous faire chanter un bon classique de Noël. Écoutez le chant des anges, je suis certain que vous avez déjà entendu ça. Levez-vous avec nous autres, on va chanter ça ensemble. En claquant des mains. Optionnel, non obligatoire. Tire-toi une bûche. Fait que moi, j'écoutais les histoires de mon grand-père en mangeant mon poulet. Mais je comprenais pas trop où est-ce qu'il voulait s'en aller avec ça. Je dis « Hey, Pépé! » Tout le monde l'appelait Pépé. Je dis « Hey, Pépé! » C'est bien beau, les histoires de sapins géants, puis de lumière, puis d'étoiles. Il dit « Mais moi, ce que je veux savoir, c'est d'où est-ce qu'elle vous vient la bosse que vous avez dans le dos. » Il dit, attends, petit gars, attends, laisse le temps à l'histoire de se raconter. Fait que je l'ai laissé continuer, puis il est parti. Il a dit, cette histoire-là s'est passée dans le temps où il y avait encore du temps. Dans ce temps-là, si tu voulais parler à quelqu'un, il fallait nécessairement que tu sois à côté de lui. Puis si tu voyais quelque chose de vraiment beau, il y avait juste ta mémoire pour le capturer, puis après tes mots pour le partager aux autres. Puis il m'a dit une affaire, de la mémoire puis des mots, mon grand-père, il n'en manquait pas.
Puis qu'il nous a dit, il dit, vous êtes bien chanceux, vous autres, de vous empiffrer de poulet comme ça. Il dit, moi, dans mon temps, quand on était dans un chantier dans le Nord, on n'en avait jamais de poulet. On mangeait tout le temps la même affaire. C'est ben trop vrai que je me suis dit. Hey, dans le bois de même, là, il n'y avait pas de restaurant, il n'y avait pas d'épicerie, il n'y avait pas de dépanneur. Fait que les gars, les bûcherons, tout ce qu'ils mangeaient pendant l'hiver, ben c'était ce qu'ils avaient apporté l'automne, c'était à leur réserve. Puis ils mangeaient la même affaire, matin, midi et soir, tout l'hiver. Puis sur le chantier à mon père, c'était toujours la même affaire, c'était des bines au lard. Des bines B-I-N-E, là, des bines au lard. Des fèves, pour ceux qui ne sont pas nés au Québec. OK? Fait que le gars qui lui préparait ça, le cuisinier, hein, le cook de la place, il s'appelait Richard, le vieux Richard. Tout le monde dans le chantier l'appelait Rico. Fait que c'était le cook Rico. Puis lui, le cook Rico, il s'était fait un honneur. Il dit, moi, de mon vivant, je ne vais jamais faire de poulet. OK? Fait qu'il lui servait toujours des bines au lard. Puis lui, il m'a dit de quoi, le cook Rico. Il ne se forçait pas bien, bien. À tous les fois, c'était la même affaire. Il le garochait, le ploté de bine frette dans le gamelle. Il fallait que les gars aillent réchauffer eux-mêmes le snack dans le faux micro-ondes. Ouais, là, tu vas, là, je te vois venir 180, là. Là, tu vas me dire, « Il n'y avait même pas de micro-ondes dans le temps! Il n'y avait même pas d'électricité! » Oui, c'est comme ça que je te vois quand tu me parles. Puis non, je suis pas un crétin, je le sais, qu'il n'y avait pas de micro-ondes dans le temps. Mais moi, je te parle des anciens micro-ondes. Les micro-ondes à l'huile. Hein? Ces micro-ondes-là, m'ont dit une affaire, c'était pas mal gros. C'était gros comme un char, ces micro-ondes-là. Fait qu'ils ne pouvaient pas garder ça dans la coquerie. Au chantier, ils avaient mis ça dehors, direct à côté des bécosses. Fait que m'a dit une affaire, quand elle est là, que ce soit pour que ça rentre ou pour que ça sorte, fallait pas que tu te trompes de porte. Tout ça pour te dire que les gars étaient pas mal écœurés de leur bine au lard, puis de manger toujours la même affaire, puis qu'ils avaient toujours hâte à la dernière journée d'ouvrage. Parce que la dernière journée d'ouvrage, c'était une tradition. Le cook Rico leur faisait toujours une recette de son invention. Une recette qui goûte bon. Personne n'allait savoir ce que c'était. C'était une surprise. Fait que les jours passent, puis les nuits passent, puis les tempêtes passent, puis on arrive à la dernière journée d'ouvrage. Ce qui est le fun d'un conte, contrairement à dans la vraie vie, c'est que plus il ne se passe rien, plus ça va vite. Hein? Fait qu'on est là à la dernière journée d'ouvrage, puis le bûchage est fini, en fait. Tous les troncs, tous les arbres sont coupés, puis là, c'est la journée de la drape. Ça, la drave, c'était pour envoyer tous ces troncs d'arbres-là dans le sud, dans la ville, à Shawinigan, Trois-Rivières, puis les Piles, puis toutes ces villes-là. Là. Puis il n'y avait pas de troc dans le temps pour charroyer tous ces troncs d'arbres-là. Fait que les gars, ils pitchaient ça dans les rivières, puis ça flottait, puis ça descendait à la rivière. Sauf que des fois, les troncs d'arbres, ça se pognait tout en moton. Fait que c'est là qu'entrait en scène le draveur, comme un danseur de bio. Il se promenait sur ces bios-là en équilibre, puis il poussait les bios avec sa grande perche. Puis moi, mon grand-père, ben, c'était un de ces draveurs-là. Puis c'était dangereux comme métier, parce que si tu tombais à l'eau, le bois remontait sur toi, puis tu te naillais, c'était sûr. Mais mon grand-père n'avait pas peur. Mon grand-père n'avait peur de rien, de toute façon. Mais il aurait dû se méfier, parce que ce qu'il ne savait pas, c'est que quelqu'un voulait sa peau. On ne devient pas comme ça le meilleur bûcheron du monde sans faire de jaloux. Puis lui, quand il retontit dans le Nord, ben, il a cassé le règne d'un ancien bûcheron, celui qui était le meilleur coupeur d'arbres avant lui. Ce bûcheron-là, personne ne connaissait son nom, parce qu'il ne parlait pas. C'est un bûcheron muet. Il vivait même pas sur le chantier avec les autres gars. Lui, il s'était fait une cabane en bois rond, toute seule dans le bois, en ermite. On le voyait arriver dans le jour, il venait bûcher avec les autres gars, puis il repartait le soir dans sa cabane. Les gars sur le chantier l'avaient surnommé Nick. Nick le bûcheron. Mais moi, dire une affaire, Nick,
C'est un petit bonhomme, à peu près haut de même. Tout poilu brun, avec des oreilles rondes de même sa tête, puis des palettes, des dents d'en avant ici qui sortaient de la gueule. Puis lui, Nick, il avait une technique bien particulière pour couper les arbres. Il coupait les arbres avec ses dents. Mais m'en dire de quoi, Nick, avant l'arrivée de mon grand-père, c'était le roi du Nord, le king de l'abattage. Fait que quand mon grand-père est arrivé, m'en dire de quoi, il avait une dent contre lui. Là, je dirais même qu'il avait deux dents contre lui. Yeah. Mes enfants m'ont dit de ne pas faire cette joke-là, mais je l'ai faite pareil. Fait que le petit verra d'animal, il s'approchait de mon grand-père en sous-marin. Mon grand-père qui se trouvait sur son billon, puis qui ne se doutait pas pantoute de la menace qui planait sous lui. Puis soudainement, le billon sur lequel il se trouvait a comme fait un quart de tour par en avant. Ben voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Pourtant pas de vague ici. Puis ça recommence, toi, un tour, deux tours. Ben voyons! Puis il check en arrière, puis c'est là qu'il voit. C'était le petit Vlimenic qui battait le tronc avec sa queue pour la faire virer. Puis c'est là que mon grand-père a compris. Il a compris que le Vlimenic voulait sa peau, puis que s'il ne courait pas, ben il allait crever là. Fait que mon grand-père, il a vu que la bête amère allait battre le bio pour la faire virer à 100 000 à l'heure. Mon grand-père, lui, il s'est mis à courir de toutes ses forces. Il fallait pas qu'il tombe. Tous les gars sur le chantier sont venus voir qu'est-ce qui se passe là. Ils ont bien vu que Pépé était en difficulté. Ils ont dit « Hey, Pépé! » Tout le monde l'appelait Pépé. « Ah ouais, Pépé, go, Pépé! » Mon grand-père a couru de même pendant 40 jours, certains. C'était à savoir, c'était qui? Faut pas que je tombe. C'était qui entre le vlimeux d'animal, entre Nick pis mon grand-père. C'est qui allait s'épuiser en premier? Ben, on va te dire une affaire. C'est le compteur. T'as vu? J'ai pas. Mon grand-père était plus en forme que moi, certain. Va te dire une affaire. Fait chaud? Je ne sais pas si tu as compris 180, si tu as deviné. Mais Nick, c'était pas un être humain. Nick, c'était un castor. Puis j'espère que tu as deviné. Parce que je veux pas voir ce que tu as imaginé quand il battait le bio. Mais attention, 180. Nick, c'était un castor, mais pas un castor comme tu l'imagines. Nous autres, on connaît la version moderne du castor, le castor 2.0. Mais Nick, lui, c'était le démo. Il était pas pareil. Quand je pratiquais, j'étais moins essoufflé, je sais pas pourquoi. Nick, lui, il avait une queue comme celle des renards. Mais m'a dire une affaire, après 40 jours à battre le bio, la queue, il avait aplati pas à peu près. C'était rendu une espèce de galette noire. On aurait dit la semelle de la vieille pantoufle à mon grand-père. Mais la pauvre bête, battue et abattue, a battu en retraite la queue entre les deux jambes. Mon grand-père avait gagné. Puis il est rentré victorieux ce soir-là au chantier pour le dernier souper, le dernier repas des bûcherons. Tout le monde se demandait qu'est-ce que le cook allait préparer, le cook Rico. Mais le cook Rico s'est laissé inspirer par l'aventure de mon grand-père pour inventer une pâtisserie, une espèce de galette qu'on faisait frire, absolument délicieuse, puis qui a appelé une queue de castor. Ben, m'a dit une affaire, 180. Si cet soir, tu vas avoir le privilège de manger de délicieuses queues de castor dans quelques minutes, c'est pas juste grâce à mon épouse. C'est aussi grâce à mon grand-père puis à son incroyable jeu de pied.
Just hear those sleigh bells jingle, ring ding tingling too. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Outside the snow is falling and friends are calling. On était dans la cuisine à mon grand-père en train de se liquéfier. Sauf nos yeux qu'eux autres avaient séché. L'œil de mon frère t'a rendu craquelé comme la lune. Parce que chez mon grand-père, il faisait chaud! Mais on aurait dit que pour mon grand-père, il faisait jamais assez chaud. Fait qu'on attendait la suite de l'histoire parce qu'il était parti dans le sous-sol mettre une bûche dans le poêle. Ah, il m'a dit une affaire, mon grand-père, il était pas radin du rondin. Il t'emporçait de la bûche dans un hiver. En face de sa maison, il y avait un champ. Puis on pouvait voir à travers la fenêtre de la maison, dans le champ, une cabane. Sa cabane à bois. Bien, j'invente rien qu'à 180. Là, les quatre murs de la cabane à bois faisaient le rond de même, tellement elle était pleine de bois. C'était une cabane gonflée au bois. Puis on aurait dit que mon grand-père s'était dit: faut que je brûle tout ce bois-là avant que je parte. Fait que chez mon grand-père, il faisait chaud! Et qu'il faisait chaud. Il est remonté du sol, les joues rougies, les sourcils roussis.
Il s'est assis dans sa chaise berçante qui couinait comme de la neige frette. Puis il a fini son histoire. Il a dit, cette histoire-là s'est passée dans le temps. Dans le temps où il y avait encore du temps. Dans ce temps-là, tout le monde prenait plus son temps. Puis bizarrement, tout le monde avait plus de temps. Cette histoire-là s'est passée 6 mois après les événements de l'épisode précédent. L'hiver est revenu, fidèle comme la mort. Puis tous les bûcherons sont venus aussi dans le nord. Mon grand-père avec les autres. Puis en se rendant dans le nord, il est passé devant un arbre majestueux, pailleté de 1000 lumières avec une étoile plantée sur le bout. La fierté de mon grand-père. La fierté de mon grand-père. Un peu plus loin, il a croisé une rivière avec une cabane en bois rond construite dessus. Puis mon grand-père était un petit peu baveux, fait qu'il n'a pas pu s'en empêcher. Il a dit, « Salut Nick, la vie n'est pas trop plate. » Troum-ts. OK. Nick n'a rien répondu. Il ne pouvait pas répondre. Il ne parlait jamais. Fait que mon grand-père, il n'a pas pu se douter que dans le fond, Nick n'était pas là. Parce que Nick m'a dit une affaire. Il n'avait pas pantoute digéré son humiliation de l'épisode précédent. Lui, Nick, il avait juste une chose en tête, puis c'était la vengeance. C'était de faire mal à mon grand-père. Mais mon grand-père était tellement fort que la seule manière d'y faire mal, c'était de faire mal à sa fierté. Puis sa fierté, bien, c'était à son arbre. Fait que ça faisait 6 mois que le petit verra d'animal, il grugeait l'arbre de mon grand-père jusqu'à la moelle du bois. Puis pendant que mon grand-père était en train de s'installer dans ses quartiers, sur le chantier, on a entendu dans la forêt un claquement à sa péter les tympans. Clac! Clac, 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 clac! Qu'est-ce que c'est ça? Tout le monde est sorti dehors pour voir ce qui se passait. Puis mon grand-père a compris tout de suite, quand il a vu son arbre qui penchait de même, son bel arbre qui était en train de tomber vers le sud. Ça, le sud, ça voulait dire Montréal, Québec, les Trois-Rivières, puis toute la vallée du Saint-Laurent. Le sud, ça voulait dire des millions de personnes qui allaient finir écrasées, aplaties comme une queue de castor. Fait que mon grand-père, qui était un bon sprinteur, vous l'avez vu, il s'est mis à courir. Je vais te dire une affaire. La montée du sud au nord, sur le chantier, c'est une run de 10 jours. Cette journée-là, mon grand-père l'a couru en 10 secondes. Il fallait qu'il arrive avant l'arbre. Puis l'arbre, lui, il continuait de tomber, tel un titan qui meurt. Le ciel s'est obscurci sur toute la province du Québec. Les gens couraient partout en panique. Pour eux autres, c'était le ciel qui lui tombait sur la tête avec plein d'étoiles accrochées dedans. Mon grand-père est arrivé juste à temps. Puis il a bondi vers l'arbre, le monstre de bois qui s'abattait. Puis bang! Mais mon grand-père était tellement fort que le plus gros arbre du monde s'est mis à remonter de même dans les airs. Jusqu'à revenir ben drette. Mais il avait frappé tellement fort que l'arbre a commencé à pencher de l'autre bord. Puis, drette sur Nick. La pauvre bête a fini aplatie comme sa queue. Puis pour preuve que ce que je vous conte ici à soir, c'est pas des niaiseries, puis que c'est vrai. On a pris une image de ce castor-là effouéré. On a pris une image de ce castor-là plate. Puis on l'a fait imprimer sur nos Saint-Saëns. Le castor sur vos Saint-Saëns 180, c'est Nick. Puis comme on s'est rendu compte par après que c'était pas un castor, mais une castor, on s'est dit, ah, c'est un nickel. Oui. Voyez que j'invente rien, moi, cet asseoir. J'explique les affaires qu'on savait pas. Moi, mon grand-père, il était tombé d'un pomme. D'un pomme de pin, là, qui était tout à terre. Il n'était pas évanoui. Mon grand-père était bien trop fort. Il s'est relevé, bien correct.
Sauf que, comme commencer à sentir comme une démangeaison, juste dans le dos, comme un drôle de chatouillement. Puis il a commencé à sentir son omoplate devenir de moins en moins plate. Il a poussé là comme une bosse, une boule. Une boule qu'il a gardée là toute sa vie. Puis en commémorage de cette histoire-là, pour ne jamais l'oublier, pour qu'on s'en souvienne, de nos jours, l'hiver, on a pris l'habitude, la tradition de rentrer un sapin dans nos maisons, puis de le décorer de lumière, comme le sapin de mon grand-père, d'y mettre une étoile sur le bout, puis pour bien se rappeler de mon grand-père, on met des boules dans le sapin. Moi, j'étais dans la cuisine à mon grand-père. J'avais 8 ans. Je croyais tout ce qu'il me disait. C'est une histoire vraie pour moi. Sauf qu'il y avait juste une affaire qui me turlupinaillait. Je comprenais pas. J'ai dit, « Hey, pépé! » J'ai dit, « Si c'est vrai qu'il y avait un arbre tellement grand qui pouvait tuer 2 millions de personnes en tombant, on verrait sa trace quelque part. Son cadavre de bois, sa carcasse de chair et d'écorce. » Je parlais bien quand j'avais 8 ans. Il est où cet arbre-là? Mon grand-père a fait son petit sourire de dents usées. Il s'est levé de sa chaise berçante, puis il est parti dans ses pantoufles carottées rouge et noir, dans le sous-sol, mettre une bûche dans le poêle. Puis moi, j'ai vu à travers la fenêtre sa cabane à bois. Sa cabane qui faisait le rond de même tellement elle était pleine de bûches. Puis c'est là que j'ai compris. C'est là que j'ai tout compris. Si on n'avait jamais trouvé trace de cet arbre-là géant, c'est parce que mon grand-père avait consacré les 70 dernières années de sa vie à le bûcher, puis à le faire disparaître bûche par bûche dans la bouche de son poêle à bois. Puis c'est pour ça, oh oui, c'est pour ça que chez mon grand-père, il faisait chaud! Merci beaucoup. Avoir plus de baisse dans le micro? On va entendre la baisse dans la salle. Entendez-vous ça? Prêt? Wilkins
aspire. To face unafraid the plans that we made, walking in a winter wonderland. J'aimerais ça vous parler 2-3 minutes de mon grand-père, parce que je sais que c'est dur à croire, mais j'ai vraiment eu un grand-père qui a vraiment existé. Puis, mon grand-père n'a pas eu une vie facile. Il est né en 1916, 4 ans seulement après le naufrage du Titanic, en plein milieu de la Première Guerre mondiale. Mon grand-père était le 16e d'une famille de 16 enfants, puis il avait 14 sœurs. Tu sais, quand je te dis qu'il n'a pas eu une vie facile, là, ben c'est ça. 16e d'une famille de 16, 14 sœurs. Son père est mort quand il était préadolescent, puis il est obligé de lâcher l'école, puis de travailler sa ferme pour faire vivre sa mère puis ses sœurs. Puis à cause de ça, il s'est marié juste à 30 ans avec une petite madame aux cheveux frisés. Puis il est devenu fermier, puis il est devenu bûcheron. Ce que je vous ai conté à soir, ce n'est pas tout faux. Il y a du vrai dans ce que je vous ai dit. C'est vrai que mon grand-père, il avait une bosse ici comme une boule. Puis c'est vrai que c'est parce que c'était un arbre qui était tombé dessus pendant qu'il était bûcheron. Tu vois, dans les légendes, il y a toujours une part de vérité. Puis, ben, tout est vrai finalement dans les légendes. On peut embellir un petit peu, tu sais. Mon grand-père, il est mort, il n'est pas mort. Avant de mourir, il a eu un cancer à l'âge de 40 ans. 40 ans, c'est plus jeune que moi. Puis on lui a tout enlevé, tout ce qu'il pouvait avoir en dedans, je pense. Là. Puis, il y avait un trou ici, puis on lui a dit, fais tes adieux, il te reste 6 mois à vivre. Bien, mon grand-père est mort presque 60 ans après, plus que 60 ans après qu'on lui a dit ça. Puis, il s'est abattu finalement, il est tombé comme un arbre presque centenaire, terrassé par une pitoyable infection urinaire finalement. Mais je garde des bons souvenirs de mon grand-père. Il ne parlait pas beaucoup. Dans la vraie vie, ce n'était pas celui qui racontait des histoires, mais il était vraiment, vraiment toujours là, plein d'énergie. Je me rappelle avoir bûché avec mon grand-père. Il a bûché jusqu'à l'âge de 85 ans. Puis j'ai plein de bons souvenirs
de lui. Mais mon souvenir le plus marquant, puis le plus ancien, puis je pense que c'est un de mes plus anciens souvenirs à vie. Je ne sais pas quel âge que j'ai, mais je sais que je suis très jeune, puis je sais que c'est mes grands-parents me gardent, moi puis ma sœur, chez nous. Puis je suis debout à côté de la table. Je me rappelle là, toute l'image. Mon grand-père est assis, ma grand-mère est debout à côté. Puis c'est ma grand-mère, en fait, qui nous a parlé. Mon grand-père ne nous a pas parlé, il ne parlait pas beaucoup. Ma grand-mère nous a dit, « Daniel! » Avec sa voix de rockeuse, elle me demandait si je connaissais Jésus. Moi, c'était la première fois, je sais que c'était la première fois de ma vie que j'entendais ce mot-là. Jésus, je ne le connais pas. C'est qui? C'est un de mes cousins que je ne connais pas? C'est qui? Parle-moi de lui, on va-tu jouer ensemble? Elle me dit, ben non. Elle dit, Jésus, c'est Dieu. C'est le Dieu créateur de chaque parcelle d'atomes de l'univers qui s'est fait homme, puis qui est venu sur terre, puis on l'a appelé Jésus. Puis il est venu sur terre pour vivre une vie parfaite, une vie pleine d'amour puis de sacrifice, pour que moi, maintenant, je puisse vivre, parce qu'il me donne sa vie, pour que je puisse vivre éternellement. Puis il y a ce pouvoir-là de faire ça parce qu'il est Dieu. Wow! C'est même plus hot qu'un petit cousin, ça, là. Puis, aujourd'hui, à Noël, c'est de ça qu'on veut se rappeler. On veut se rappeler de Marie qui a porté Jésus, qui a porté Dieu dans son propre corps. Des bergers qui ont vu des anges faire une chorale dans le ciel. On veut se rappeler de ces mages-là qui ont parcouru des milliers de kilomètres parce qu'ils ont suivi une étoile qui bougeait. C'est toute qu'une histoire que l'histoire de Jésus. Mais je suis conscient que, peut-être pour certains d'entre vous, l'histoire de Jésus puis de la naissance de Jésus, peut-être que ça sonne à tes oreilles comme une histoire de bûcheron, comme une légende qui est partie de certains faits véridiques puis qu'on aurait embelli avec le temps puis qu'on aurait mis des artifices, puis qu'il y a du vrai, puis il y a du pas vrai. Il y a des parties inventées. Comment vous avez fait tantôt pour deviner que mon histoire n'était pas vraie? Hein? C'était impossible. Un arbre qui est plus haut que le soleil, ça ne s'est jamais vu. Donc, c'est pas vrai. On est de même. Si ça ne se peut pas, c'est que c'est pas vrai. Fait qu'on fait la même affaire avec l'histoire de Jésus. On dit, ben c'est impossible qu'une vierge tombe enceinte. C'est impossible qu'un homme marche sur l'eau ou change l'eau en vin. Donc, c'est pas vrai. C'est une légende. Mais le problème, c'est qu'avec l'histoire de Jésus, ça marche pas, ce raisonnement-là. Parce que si Jésus est Dieu, puis qu'il veut montrer qu'il est Dieu, il faut nécessairement qu'il fasse quelque chose d'impossible. Si Jésus avait juste fait des affaires possibles, on l'a renvoyé à l'asile. C'est un fou qui se prend pour Dieu. Mais s'il fait des choses impossibles, là, ça se peut. Fait que, moi, je t'invite à pousser ta réflexion un peu plus loin. Si ton réflexe, c'est de dire « Jésus, ça se peut pas parce que c'est impossible », ben va plus loin que ça. Va plus loin que ça. Moi, je me suis rendu compte que ne pas croire en Jésus, ça prenait plus de foi que d'y croire. Pousse la réflexion un peu plus loin. Viens nous parler, viens ici à l'église le dimanche matin pour entendre ce qu'on a à dire. On ne te mangera pas. En tout cas, ce n'est pas encore jamais arrivé. Puis j'espère que ça n'arrivera jamais. On est ici à soir pour se rappeler de la naissance de Jésus. Moi, j'y crois. Mon grand-père y croyait. Puis je le sais qu'il y a plein de monde ici qui y croit. Puis on n'est pas des niaiseux. Ouais, on y croit. C'est vraiment vrai. C'est vrai. Je suis d'accord que c'est impossible, mais c'est parce que c'est impossible que j'y crois encore plus. L'histoire de Jésus, c'est une histoire qui mérite d'être racontée. Puis c'est une histoire qui mérite d'être écoutée aussi. Puis finalement, c'est une histoire qui mérite d'être chantée. Est-ce que vous êtes d'accord? Fait qu'on va
chanter pour le reste de la soirée. On va se lever, chanter Jésus notre Sauveur. Merci beaucoup. Je vais prendre un petit moment tout simplement pour vous remercier de vous être déplacé ce soir. Je sais qu'avec l'air électronique, c'est aussi simple que d'aller sur YouTube puis faire play puis l'écouter tranquille à la maison avec un chocolat chaud. Merci d'être sorti. Vous êtes content d'être sorti? Ouais. Ouais. Merci à Daniel qui nous a divertis avec ses histoires de grand-père. Continuez avec un incontournable qu'on a de feu Leonard Cohen. Alléluia. Je ne vous pas d'embarquer avec nous autres.
baby boy who's come to earth to bring us joy. And I just wanna sing this song to you. It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift. With every breath I'm singing, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
merci. C'était tellement fun de vous entendre chanter et de chanter avec vous autres. Un petit peu d'historique sur notre prochain chant, parce qu'il vient avec une grande avertissement. Voyez-vous, le prochain chant est un chant qui est assez difficile. Mettons, si notre niveau habituel de difficulté est un niveau 5 sur 10, eh bien lui, ça serait un 12. Ça serait un 12 sur 10. En fait, quand on le pratique, on l'a en moyenne une fois sur 3. C'est assez ambitieux, juste que vous sachiez. C'est une question d'enlever de la pression un petit peu, parce qu'on est, on va avoir du fun aussi. Là. Puis, pas oublier que ce pas des professionnels que ce stage, hein? Ni l'un des autres. Là, on est juste bien passionnés de Dieu. Puis on aime ça viser haut. Okay? Maintenant, ceci dit, à toutes les fois qu'on arrive à planifier un spectacle de Noël, on se dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire qui était intéressant, qui montre le niveau de ce qu'on fait, qui montre notre passion, et puis qui montre notre niveau de difficulté, tranquillement, pas vite. Et puis, j'étais en train de regarder sur Internet, et puis je me souviens d'avoir vu un stade de football, et puis ils attendaient pour que le groupe, celui qui faisait le spectacle, s'attendait que ces gens-là arrivent sur le stage. Et en attendant, il y avait une chanson qui jouait. Et puis tout le monde, sans exception, se sont mis à chanter cette chanson-là. C'est un chant qui était très, très, très rassembleur, en cause que à peu près tout le monde le connaît. J'ai pensé, « Ouh, ça serait le fun qu'on pourrait faire à lui, mais c'est pas un chant chrétien. » Fait que là, j'ai la merveilleuse idée d'aller à « Hey, Google! » »« Ouais, qu'est-ce qu'il y a? » »« Ça va la femme, les enfants? » »« Oui. » Google, peux-tu me dire, ça existe-tu ce chant-là, une version chrétienne? Puis Google, il m'a dit oui, ça existe. Puis je suis tombé en plein dessus, puis j'ai fait aha! C'est ça qu'on fait, puis c'est un chant de Noël. Alors, c'est une version d'un chant non chrétien, mais avec les paroles légèrement, en fait, pas légèrement, vraiment beaucoup changées, qui raconte maintenant l'histoire de la nativité. Alors, sans plus tarder, j'en ai assez dit, on vous présente Bethlehemian Rhapsody. To me.
On le fera pas de nouveau. Merci de vos encouragements. Bon, on revient à nos, moutons, hein? Thank you.
Là, attachez vos calottes. Oh, taboué. Parce qu'il dit bûcheron, on dit casse de poêle. C'est une décoration de même. Vous n'avez pas besoin de mettre votre casse de poêle. On chante un dernier chant ensemble que tout le monde connaît bien, les 12 jours de Noël, la version 180. Levez vos mains, ceux qui étaient ici l'année passée. OK. Ah, pas plus que ça! Ah, ben écoute, dans ce cas-là, il va falloir que je fasse une petite introduction. C'est pas? Oui. OK. Vous connaissez le chant « On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge and a pear tree. » Vous connaissez ça? Bon, mais écoute, il y avait un beau petit groupe acadien qui s'appelle Les Méchants Macros qui avait repris ce chant-là avec toutes des choses qui étaient comme acadiennes. « Un gros mess de poutine râpée, au troisième jour de Noël, mon amour m'a donné trois six-packs frais du gros morpi, un gros mess de poutine râpée. » J'ai pensé à ce ben original, ça. On pourrait peut-être faire une version virée chrétienne. Fait que là, dans le fond, on a pris le chant et puis on y a mis toutes les choses pour lesquelles on est reconnaissant dans l'année que Dieu nous donne. Alors voilà, on chante ensemble. Et toujours de Noël. Tout le monde est prêt? Ah, tout le monde debout. Ah oui, tout le monde debout, toi aussi. Tu fais les bûches, là. Tout blanc et une année pleine de bonté. J'ai un cœur reconnaissant car mon Seigneur m'a donné son pardon. Un cœur tout blanc et une année pleine de bonté. J'ai un cœur reconnaissant car mon Seigneur m'a donné la liberté, son pardon. Un cœur tout blanc et une année pleine de bonté. J'ai un cœur reconnaissant car mon Seigneur m'a donné la vie éternelle, la liberté, son pardon, un cœur tout blanc et une année pleine de bonté. Oh, j'ai un cœur reconnaissant car mon Seigneur m'a donné le vrai bonheur, la vie éternelle, la liberté, son pardon, un cœur tout blanc et une année pleine de bonté.
immense, une vie transformée, le vrai bonheur, la vie éternelle. La liberté, son pardon, un cœur tout blanc et une année pleine de bonté. Oh, j'ai un cœur reconnaissant, car mon Seigneur m'a donné le vrai repos, sa grâce immense, une vie transformée, le vrai bonheur, la vie éternelle. Immense, une vie transformée, le vrai bonheur, la vie éternelle. La liberté, son pardon, un cœur tout blanc et une année pleine de bonté. J'ai un cœur reconnaissant, car mon Seigneur m'a donné son grand amour, une paix profonde, le vrai repos, sa grâce immense, une vie transformée, le vrai bonheur, la vie éternelle. Sacrifice, son grand amour, une paix profonde, le vrai repos, sa grâce immense, une vie transformée, le vrai repos, la vie éternelle, la liberté, son pardon, un cœur tout blanc, et une année pleine de bonté. Merci d'avoir été là. Mesdames, messieurs, le band 180! Yes! Vous avez été génial. Mesdames, messieurs, j'aimerais qu'on puisse dire merci aussi à Daniel, notre compteur. Daniel, viens-t'en. Yes, merci Daniel. Merci à toute l'équipe. Merci à vous d'avoir été là. Vous pouvez vous asseoir quelques secondes, je ne vous retiendrai pas très longtemps. J'aimerais simplement vous faire une petite lecture d'un verset qui, dans le fond, Noël, on pense souvent à des réunions de famille, on pense souvent à l'échange de cadeaux. Comme on vient de célébrer, c'est la naissance de Jésus, un sauveur, notre sauveur, le sauveur. Et la meilleure preuve qu'on peut vivre et qu'on peut voir, qu'on peut apprécier de qui est Jésus, c'est cette transformation qu'on peut avoir dans nos vies, dans chacun d'entre nous. Et Noël est plus qu'un échange de cadeaux, mais c'est d'abord et avant tout le cadeau que Dieu nous donne en premier. Dans 1 Jean, chapitre 4, ça dit « Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui nous ayons la vie. Et voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Et aussi a-t-il envoyé son Fils pour le pardon de nos péchés. » Le fait que Dieu nous aime, ce n'est pas parce que nous, on l'a aimé en premier. Dieu a choisi de t'aimer. Peu importe ton passé, peu importe ce que tu as fait, Dieu nous a aimés en premier, puis nous l'a manifesté. Et ce cadeau-là que le Père nous fait, c'est celui de son Fils. Et le cadeau que Jésus nous fait, c'est celui de sa vie pour le pardon de nos péchés, qu'on puisse être réconcilié avec lui. Sur cette pensée, Jésus est celui qui, à 180, nous passionne, celui qui est l'objet de notre adoration, celui qui nous transforme nos vies. Et déjà, je veux vous réinviter au début de l'année, le 5 janvier, on a le lancement de l'année 2020, où vous êtes bienvenus à revenir. On veut prendre le temps de célébrer, de fêter qu'est-ce qui s'est passé dans l'année qu'on a vécu 2019, mais aussi célébrer ce que Dieu
Dieu veut faire dans ta vie, dans nos vies, dans cette Église en 2020. Donc, vous êtes bienvenus à revenir le 5 janvier à ce lancement de l'année 2020. Et immédiatement après, le dimanche suivant, à partir du 12 janvier, on débute une nouvelle série qu'on a appelée « Détox ». À être les personnes que Dieu a créées, devenir ces personnes que Dieu a créées et en éliminant ce qui contamine l'âme. Donc déjà, le 12 janvier, vous êtes bienvenus à revenir et écouter qu'est-ce qu'on va aborder à travers cette série dès l'année prochaine, finalement. Donc le 29, dimanche prochain, on donne congé à tous nos bénévoles, un congé bien mérité à toute notre équipe, à toutes nos équipes. Et il y a une autre équipe qui vous attend. Et il y a une autre équipe qui vous attend, puis on va pouvoir toutes les applaudir parce qu'eux aussi ont fait beaucoup de travail. Dans la hall d'entrée, tous les bénévoles qui sont là vous ont préparé des queues de castor, des bines, des petites saucisses dans le bacon. Je pense que je n'ai pas toutes vues encore, là. Alors, vous allez pouvoir profiter de la nourriture, chiller dans la hall. Il y a un photo booth qui est là. Vous pouvez prendre, on a des Polaroids comme dans l'ancien temps. Il y a une photo qui sort. Vous pouvez repartir avec. Vous pouvez prendre des photos aussi avec votre cellulaire, mais gardez finalement le souvenir de votre soirée. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, puis j'aimerais qu'on puisse donner une dernière main d'applaudissement à tous nos bénévoles, s'il vous plaît, qui se sont vivement impliqués. Merci la gang. Merci fortement.